Salut tout le monde, c'est Gabu, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est le 12e, je crois, épisode du Decade Challenge. Ou non, peut-être le 13e. Enfin bref, vous êtes dans un épisode du Decade Challenge. Et eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui, normalement, ça va être l'anniversaire d'abord d'Albert, je crois, puis demain matin d'Arthur. Donc voilà, je sais pas si on va fêter les deux ensemble comme c'est des jumeaux, moi ça me semble un petit peu logique. Et du coup, dans le prochain épisode, nous allons passer en 1900. Voilà, j'ai hâte parce que ça va un peu plus changer, je crois, 1900 de 1880 et 1890. Mais en tout cas, voilà, ça va être une chouette période. J'adore en tout cas les années 1900. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça un petit peu dans les Sims. Du coup, voilà, ça va aussi être le premier jour d'école de Rose aujourd'hui. Voilà, dans 36 minutes. Toi, Albert, tu vas peut-être te réveiller parce que tu as faim, donc tu vas peut-être manger, prendre des restes. Arthur, toi, bon, tout va à peu près bien. Oui, lit, tiens. Et toi, Rose, tout va bien. Nettoyer, voilà, va nettoyer, ma petite Rose. Par contre, bah, pourquoi t'es enjôleuse, toi? Tu dragues qui? Qui est-ce que tu dragues? Pas ton fils, j'espère quand même. Du coup, Rose part à l'école et pourquoi les garçons n'y vont pas? Oui, toi va à l'école primaire et toi aussi, ok, parfait. Pourquoi tu es triste? Oh, il est seul, malheureux, ne va pas passer plus de temps avec d'autres Sims. Oh, bah. Victorine, va parler un petit peu à ton mari. Va partager la grande nouvelle, même si t'as déjà partagé. Va proposer de toucher le bébé. Qu'est-ce que tu préfères? Embrasser les mains. Voilà, faites des trucs de couple. Devoir inachevé. Quand Rose arrive en cours, elle se rend compte qu'elle doit rendre son devoir aujourd'hui. Le devoir qu'elle était censée commencer il y a des semaines, elle observe la pile de devoirs se former sur le bureau de son instituteur. Il lui faudrait juste quelques minutes avec une des copies. Tente-t-elle de recopier le devoir d'un autre élève ou avoue-t-elle la vérité? Bah, va recopier. Gain de performance petit. L'instituteur de Rose est occupé à écrire au tableau. Glissant la copie en haut de la pile sous son t-shirt, Rose demande à aller aux toilettes. Malheureusement, Rose est suivie par le propriétaire de la copie qui lui demande son déjeuner en échange de son silence. Oh, bah du coup, elle va avoir faim, mais bon. Au moins, elle aura les bonnes notes. Du coup, toi, ma petite, tu vas faire les lessives dans une bassine. Voilà. Oh là là, bah du coup, ils ont plein de choses là. Grande nouvelle, ok. Bah très bien. Eh bien faites votre petite vie les deux et puis bah voilà. Ah oui c'est vrai, il y a les projets scolaires des gosses là. Célébrer l'anniversaire d'Albert en organisant une fantastique fête. Est-ce qu'il clignote? Non, il clignote pas. Bon, tant mieux. Ah alors les toilettes, qu'est-ce que ça donne, tiens? Ah ouais, elles sont quand même assez modernes, hein. Du coup, faut faire un petit peu d'argent avant de passer. En 1900, mais là, son divertissement est vraiment critique. Du coup, tu vas lire le pudding orbital. Voilà, tu vas faire ça. Toi, ça va ton divertissement? Oh là là, il est aussi critique. Bon, va prendre un bain, Maximilien, parce que là, t'es vraiment trop sale. Et toi, va faire pipi, ma petite Victorine, parce que là, t'as vraiment envie de faire pipi. Rose a terminé l'école. Pour aujourd'hui, son travail est satisfaisant, mais les professeurs de l'établissement, école et les commentaires pleins aux as, pensent qu'elle pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts. Bah, eux aussi, les garçons. Bon, écoutez, il pue, mais non. Ça c'est Albert. Du coup, va travailler soigneusement. Et toi aussi, va travailler soigneusement. Oh non, son premier jour d'école est complètement raté à la petite. Bah écoute, va pleurer un bon coup dans ton lit. Peut-être que ça ira mieux. Toi, qu'est-ce qu'il y a à se cacher? Oh non, elle s'est fait pipi dessus! Ah merde! Bah pourtant, je lui ai demandé d'aller. Oh bah va essuyer et. Oh là là. Va t'occuper un petit peu des fleurs parce que là, va vendre. Ça a l'air tout sec tout ça, non? Va vendre et désherber. Oh là là, elle s'est fait pipi dessus. Rose, c'est la seule qui va à peu près bien niveau hygiène. Arthur, va prendre un petit bain. Et après, ça va être Victorine qui va prendre un bain parce que là.
Ah, Victorine a atteint le niveau 3 de la compétence jardinage. Eh bien, parfait. Roselle, qu'est-ce qu'elle fait? Demander conseil. Non, va pas demander conseil. Va plutôt pleurer. J'aimerais bien que tu arrêtes d'être triste. Et va repleurer encore une fois. Et après, tu pourras jouer avec une petite figurine. Bon, toi, tu vas prendre un bain. Et après, tu vas enlever la nourriture gâtée et tu vas cuisiner un nouveau gâteau. Ils vont manger que des gâteaux. Ils vont devenir gros, gros, gros. Tiens, ça c'est quoi? Oh, un petit gâteau d'hiver. Tu vas nous faire ça. Oh là là, il clignote. Du coup, il faut vite se dépêcher de les faire grandir, les deux garçons, parce que là. Mais lui, c'est dans un jour, il y a marqué. C'est fâcheux ça. Je trouve ça bizarre, c'est des jumeaux et il y en a un qui va continuer à être enfant pendant que l'autre est adolescent. Je trouve pas ça très logique, moi, mais bon. Du coup, lui, il a fini l'objet. Eh bien, tu vas en refaire un autre. Bon, elle, ça va, elle est plutôt triste. Bon, va repleurer un bon coup pour être d'attaque pour l'anniversaire de ton frère. Et toi, Arthur, c'est le divertissement qui ne va pas. Va jouer un petit peu dans la petite cage, là. Va jouer ici. Alors, ma petite Victorine. Attends, est-ce que t'as fini le gâteau avant que quelqu'un en prenne? Parce que je les connais. Oh, waouh, il est super beau. Il est magnifique. Et en plus, il est excellent. Donc, va mettre des petites bougies d'anniversaire. Ah, elle est plus triste. Enfin. T'en es où toi dans tes compétences, ma chérie? Créativité, ok. Faculté motrice et faculté machin. Tu pourrais jouer. Voilà. Ah oui, bah tiens, de toute façon, il faut qu'on achète une table d'échecs parce que Rose, elle est un petit génie. Mais ça te divertit même pas en plus. Ah non, c'est ça toi que tu fais. Bon. Va nettoyer et va continuer. Non, va continuer plutôt à mettre le bazar. Et alors toi... Non, Maximilien, qu'est-ce qui... Il mange quoi? Des biscuits animaux. N'importe quoi. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, hein, de divertir en mettant le bazar. Bof, bof, bof. Va pas dormir. Non, bon, alors là, ils vont tous mal. Écoutez, on va tous aller ici. Toi, t'arrêtes de dormir. T'arrêtes de vouloir manger. Tu vas ici. Toi, t'arrêtes de faire la sculpture. Tu vas ici. Toi, t'arrêtes tout seul. Tu vas ici. Et Albert, tu vas souffler les bougies. Faire un vœu. C'est bon, Albert a vieilli. L'adolescence au programme. Premiers émois, jogging, qui sentent la transpiration, révolution hormonale. Accrochez vos ceintures, ça commence maintenant. Alors du coup, lui, Albert, c'était le truc actif, le truc de sport. Écoutez, on va peut-être lui mettre sport, hein, voilà. Du coup, lui, il avait envie de faire ça, donc il est actif. Je vais regarder les règles tout de suite de 1900 pour voir si on devait mettre des choses quand il passe adolescent. Les jeunes reçoivent un des traits suivants, joyeux, bienveillant. Eh bien, j'ai bien fait de regarder. Alors, on va lui mettre au hasard. De toute façon, il y en a un qui aura joyeux et l'autre bienveillant. Donc, lui, on va peut-être mettre Albert. On va peut-être mettre bienveillant. Voilà. Alors, attendez, moi, je veux voir sa tête. Oh! Il est pas mal avec ses petites lunettes. Regardez, le petit Albert. Mais c'est pas mal du tout. Oh, ils vont être tout mignons les garçons, je sens. Eh bien, écoutez, c'est pas trop mal. Sa coiffure, j'aime bien. Les petites lunettes. C'est pas trop mal. Alors, toi, va remettre tout de suite des bougies. Voilà. Bougies, ajouter des bougies. Hop. Et maintenant, ça va être à Arthur, pardon, de célébrer, même si il y a marqué dans un jour, tant pis. Hein. Et Arthur va grandir, 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 grandir. Allez-y, allez-y. Et Arthur a vieilli. Alors lui, c'était dans le social. Du coup, on va garder popularité.
Qu'est-ce qui va être? Il va être l'ami de tous. Du coup, il a déjà le trait bienveillant. Ah, je savais plus ce qu'on lui avait mis. Eh bien, on va lui mettre joyeux. Et B, écoutez, je trouve qu'il se ressemble pas trop. Ah, bah non, il a des boutons partout, il a la varicelle, le pauvre. Oh non, pourquoi il a des boutons partout? Je le trouve un peu moins mignon, Arthur, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Eh bien voilà, allez, maintenant mangez tous. C'est vrai que maintenant ils sont 5. Bah du coup, je rajouterai une chaise à la table. Et bientôt ils vont être 6 avec l'arrivée du bébé. D'ailleurs, c'est pour quand l'arrivée du bébé? Ça sera en 1900? Mais oui, ça sera en 1900. Avant encore se faire dessus, elle. Bon, bah alors, du coup, c'est la dernière fois que vous voyez la maison dans cet état. Parce que, eh bien, 1900 arrive, de nouvelles choses vont aussi arriver. Et les vêtements, je vais changer, je vais relooker les garçons et puis bah, toute la famille pour aller dans le thème de 1900. Bon, eh bien, écoutez, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode. Dans l'épisode prochain, nous serons en 1900, vous verrez tous les changements. J'ai hâte de voir ça. Et puis, bah, moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre dans mon Twitter et sur mon Discord. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!